deux besoins qui, en apparence, se contredisent, seraient paradoxales, mais dans les faits, seraient une très bonne chose pour nous aider à nous équilibrer dans la vie. Le besoin d'incertitude et le besoin de certitude. Et j'ai hâte de vous en parler parce que moi, quand j'ai compris ça, ça a changé ma perception de ma vie, de ce que je considérais comme des défauts. Et voilà, ça m'a vraiment aidé. Donc, j'ai hâte de vous partager ça. Depuis le marché de Noël de Nidernay, un village à côté d'Aubernay, qu'on visite notamment parce que j'ai ma belle-mère qui tient un stand pour une association. Donc, on est venu avec une amie, mon épouse et ma fille pour manger un peu. Aussi parce que à part ça, ouais, moi je suis pas trop je sais pas vous, mais moi je suis pas trop achat. Par contre, j'aime bien manger et c'est toujours sympa de pouvoir se réchauffer avec de la nourriture dans ces endroits-là. Allez, let's go. Donc si vous entendez du monde, c'est normal. Je me suis dit, vous l'avez compris, hein, le concept du calendrier de l'Avent, c'est de vous embarquer dans un format plus informel, plus léger, plus authentique. Et comme j'aime beaucoup cette période de Noël, bah c'est pour ça que je fais ça avec vous. Alors, je vais m'éloigner un peu parce que c'est horrible. Il y a un gars qui parle dans un micro, mais il ne sait pas parler dans un micro. Et du coup, ça sature. Et je vais vous dire un truc, j'ai peur d'aller lui dire comment tenir son micro. Donc, je vais m'éloigner un peu. Et voilà. Allez, on va parler du besoin de certitude. Le besoin de certitude est assez simple à comprendre. C'est qu'on a un besoin de sécurité, n'est-ce pas? On a tous un besoin de savoir de quoi le lendemain est fait, de savoir qu'on a de l'argent pour se payer à manger, pour avoir un toit, de savoir que quand on va dans un restaurant japonais, on va manger japonais, de savoir que quand on va en voyage, ben on part pas totalement à l'inconnu. Et justement, de l'autre côté, il y a aussi ce besoin d'incertitude. Ce besoin d'incertitude, c'est ce besoin qui fait qu'on a besoin de variété. On a besoin d'inconnu. On a besoin de ne pas savoir exactement ce qu'il y aura. Par exemple, restons dans le thème de la nourriture, quand vous allez quelque part pour manger, moi j'aime bien par exemple goûter des nouveaux plats. Pourtant, ça peut paraître un peu stupide. Quand vous aimez un plat, autant aller manger ce plat, n'est-ce pas? Moi, j'aime bien découvrir des plats, même si je vous avoue que parfois je le regrette. Après, il y a ce côté, au moins j'ai découvert quelque chose et ça me réjouit. Alors, en quoi ça nous concerne en tant que coach? Déjà, sachez que si vous êtes lancé dans le coaching, c'est que vous avez un petit besoin d'incertitude et qu'il faut pleinement l'assumer. Une session de coaching avec quelqu'un sans savoir de quoi vous allez parler, parce que c'est ça une session de coaching, c'est pas une formation où vous allez contrôler votre sujet. Ça, c'est compliqué. Et pour les personnes qui ont peur de ça, j'ai juste envie de vous dire que c'est peut-être quelque chose à développer plutôt que d'essayer de vous protéger. Passez pas une demi-heure à préparer votre session, par exemple. Et il y en a qui ont du mal à vendre du coaching parce qu'ils ont l'impression qu'il faut qu'ils préparent une superbe offre et qu'ils anticipent tous les besoins de leurs futurs clients. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de prendre soin et de mettre de l'attention, de la conscience sur vos deux besoins. Et on va réfléchir aussi pour notre client. Notre client, vous savez, il a aussi besoin de certitude et incertitude. Et parfois, surtout s'il est différent de comment vous fonctionnez, vous pourrez penser que qu'il fait des choix émotionnels, irrationnels, qui ne sont pas logiques. Alors qu'en fait, c'est peut-être son besoin d'incertitude qui s'exprime. Typiquement, la personne change de job tous les ans et elle n'est pas contente dans son job.
eh ben, vous allez peut-être penser qu'elle a un problème. Ben, peut-être qu'elle n'a pas un problème, elle a besoin d'incertitude, elle a besoin de se lancer dans l'entrepreneuriat peut-être. Vous voyez un peu l'idée. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui comme question, c'est de réfléchir à quel est votre besoin de certitude et d'incertitude. Et très important, les deux ne s'opposent pas. Vous pourriez avoir un très grand besoin de certitude et un très grand besoin d'incertitude. Ce n'est pas juste une histoire de « je suis un enfant immature et je veux juste de l'incertitude et je ne suis pas raisonnable ». Moi, par exemple, pendant longtemps, j'étais dans ce cas-là, mais aujourd'hui, je commence à avoir un besoin de certitude plus grand, notamment parce que je suis papa et que j'ai un enfant. Et ça, c'est important que vous le compreniez. Vous n'êtes pas obligé de baisser un besoin, d'annihiler un besoin pour que l'autre s'exprime plus. Au contraire, je pense que pour vraiment réussir en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, vous avez besoin d'incertitude. Vous avez besoin de variété. Et parallèlement, vous avez besoin de certitude. Mais ça ne sert à rien de baisser votre besoin d'incertitude, sinon vous ne réussirez jamais dans le business. Ça fait partie de vous. Vous ne pourrez pas vous changer. Je ne sais pas vous avez quel âge, mais si vous avez un certain âge, vous ne pourrez pas vous changer. Par contre, vous pourrez travailler un peu et mettre de la conscience sur ce que vous faites déjà. Et ça, ça va vraiment vous aider. Voilà, j'espère que ça vous aide. Et la question que j'ai vraiment pour vous aujourd'hui, c'est de peut-être noter sur une échelle de 1 à 10 quel est votre besoin de certitude, votre besoin d'incertitude. Et toutes les prochaines fois où vous allez prendre des décisions, bah, de réfléchir au prisme de ces deux besoins pour voir si, bah, en fait, ce que moi, par exemple, je considérais comme de l'immaturité, en fait, ce n'est pas tout simplement le fait que vous avez un besoin d'incertitude plus grand qu'on peut compenser, équilibrer, pas par moins de besoins d'incertitude, mais par plus de besoins de certitude. Voilà, j'espère que ça vous aide et j'ai hâte de vous retrouver demain pour le 4e jour de l'aventure.